Mélangez la vaseline et le citron pour hydrater vos pieds et vos mains. Ceci hydrate en profondeur, protège de l'agression telle que la pollution, le froid. Ça vous empêche d'avoir des pieds fendriers, des paumes de main très dures. Ceci est idéal pour les lèvres sèches également. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications cling, clang, cling, cling, cling afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Inutile de faire main basse sur les produits cosmétiques parfois onéreux. Pour prendre soin de ces parties du corps. Parfois, la solution se trouve dans nos placards et nos réfrigérateurs. Si nous connaissons tous les bienfaits de consommer des aliments tels que le citron pour notre santé, vous allez également comprendre qu'il contient également des bienfaits pour la beauté de nos pieds et de nos mains. Mélangez la vaseline, ceci hydrate en profondeur la plante des pieds, les paumes de main, des agressions extérieures. Ceci est idéal pour des personnes qui ont des pieds crevassés. Ceci est un rituel de nuit. C'est excellent pour avoir les pieds de bébé. En plus, c'est économique et facile à utiliser. Les bienfaits de citron pour la peau. Le citron est un allié de jeunesse grâce à sa teneur élevée en vitamine C. Le fruit du citronnier est un remède naturel recommandé pour lutter contre les signes de l'âge. Et pour cause, il renferme une grande quantité d'antioxydants, des substances indispensables pour lutter contre les radicaux libres, responsables de maladies et du vieillissement cellulaire prématuré. Cet agrume acide agit également en boostant la production de collagène afin de préserver l'élasticité de la peau. Selon une étude, l'ingestion et l'application de vitamine C permet de lutter contre les ridules et le relâchement cutané. À cet effet, incorporez le citron dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez également mettre quelques petites gouttes sur vos lèvres de toilette. Surtout, ne pas l'appliquer sur le visage. En numéro 2, le citron est un remède anti-imperfection. Les acides naturels du fruit du citronnier agissent en matifiant la peau grasse et a une action régulatrice du sébum. Le film lipidique de la peau, qui sécrété en excès, peut favoriser l'apparition des boutons et des points noirs. Selon une étude, le citron agit efficacement contre l'apparition de l'acné, un trouble dermatologique courant chez les peaux grasses. Mais dans des cas comme ça, ayez l'habitude d'ingérer le citron chaque jour quotidiennement. Vous verrez des résultats très rapidement. Le citron est excellent pour éliminer les cicatrices ténaces. Le citron est un remède naturel à multiples vertus. En plus d'éclaircir la carnation naturelle, l'agrume possède des propriétés cicatrisantes avérées. Le citron permet de blanchir la peau. C'est la raison pour laquelle son utilisation régulière sur la peau du visage est déconseillée. Mais utilisez le mélangé avec de la vaseline sur les plantes de vos pieds et la paume de vos mains, vos lèvres et vous en serez très satisfait. Pour ce qui est de la vaseline est un agent hydratant. Les agressions extérieures peuvent fragiliser notre peau et la sécher. Pour hydrater la peau en profondeur, la vaseline est un produit recommandé, surtout pour ceux qui mettent des chaussures ouvertes à longueur de journée. Et pour cause, ce produit gras protège les zones les plus sèches de nos pieds. Isolante, la vaseline empêche l'évaporation de l'humidité de la peau. La vaseline est un anti-cicatrisant local. Riche en vitamines A et B, la vaseline mérite amplement sa place dans nos rituels pour la santé de nos pieds. Ses vertus hydratantes permettent également de soigner les plaies superficielles et les cicatrices ténaces mélangées avec du citron. Cette gelée de pétrole est recommandée après l'épilation pour apaiser la peau et éliminer la sensation de tiraillement. Une étude a démontré que la paraffine que ceci contient est utilisée pour soigner les cicatrices post-opératoires. Comment réaliser son masque? Pour obtenir des résultats concluants sur votre peau, nous vous conseillons
de vous procurer des ingrédients d'origine biologique. Comme ingrédients, le jus d'un demi-citron et une cuillère à café de vaseline. Préparation dans un bol. Mélangez le jus de citron et la vaseline jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène. Vous pouvez faire ceci à bain-marie. À l'aide de vos mains, appliquez ceci sur la plante de vos pieds. Faites ceci chaque soir avant de dormir. Ensuite, enfilez les chaussettes. Vous pouvez remplacer la vaseline par le Vicks Vaporub pour ceux qui ont les picotements au niveau des jambes. Ceci permettra vraiment de soulager également les picotements au niveau des jambes et vous obtiendrez les mêmes résultats au niveau de l'hydratation de vos pieds. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à prendre soin de votre bien-être au 100% naturel, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Et aussi, dites-moi le nom du pays depuis lequel vous me regardez dans les commentaires afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.